Et salut à tous et à toutes, c'est Hieronyme. On se retrouve pour le septième épisode de... Septième, oui, septième épisode de Fable 3. Oh, regardez-moi ça. Une magnifique vue sur un moustachu. Un barbu, pardon. Il chante quoi là? Il chante mal surtout. Voilà, donc on s'en fiche un peu d'avoir une vue sur Walter, hein. On va aller lui parler directement. Cet endroit a terriblement changé. Il y a 20 ans, c'était un espace vide, humide et sombre au milieu de nulle part. Maintenant, les gens font la queue pour se balancer dans une boîte en acier. Lol. Je gagne Et le le latune. voilà. Je gagne le latune. Il est beau, hein? La plupart des gens vont se rendre directement à Power Stone. Mais nous allons d'abord faire un petit tour. J'espère juste... Ah! Ça va tomber! C'est qui Stan? Je ne connais pas. Viens, il faut qu'on descende de là. Eh ben mon Dieu, le funiculaire s'est fait attaquer. Que quelqu'un aille chercher de l'aide. Les pauvres gens, oh quelle misère, les pauvres gens. Il faut sans doute passer par là. Nous devons trouver ces gens, voir s'il y a des survivants. Sympa d'utiliser son épée comme le vieux. Comme levier, comme le vieux. Si tu veux. Allez Walter. Allez. Allons-y. Ah oui, c'est ce que je te dis, hein, je suis devant moi. Walter, je t'attends, t'es en retard. On dirait que c'est le seul moyen. Très bien. Je peux y arriver. Lol. Walter. Descendons vite. Je voudrais pas passer plus de temps que nécessaire dans cette foutue boîte. Il aime pas trop, hein, les nouveautés technologiques. Il est tombé un peu plus haut. Viens. Allez, go. J'entends un rire. Je reconnaîtrai ces bruits, n'importe. Des gobelins? Peut-être que la chute du funiculaire n'était pas un accident, finalement. Eh bé. Ce sont des hobs. Ah oui, des hobs. Voilà, c'est pas des gobelins, c'est des hobs. J'adore. C'est très... Ils sont très cool, les hobs. Ouais, moi je prononce à l'anglaise. Ah! Tu sais vraiment t'y prendre? Merci d'avoir été une cible aussi docile. Excellent coup, il ne s'en relèvera pas. Essaie de tous les descendre. Et surtout, pour donner la mort. Ah là, vous attendez quelqu'un d'assez brillant, j'imagine? Qui s'appelle un nain de jardin. Très bien. Mais il y en aura d'autres. Avec les hommes, il y en a toujours plus. Pauvre petit cafard. Et boum! Vous n'avez aucune chance. Je retournerai jamais dans un funiculaire de toute ma vie. Tu peux croire. Allez, continue. Il doit y avoir un moyen de continuer ces tunnels. J'ai cru entendre un autre, dans un jardin, évidemment.
Mais je pense en fait que c'est la voix de l'autre qui est restée jusqu'au bout. C'est pas impossible, hein. Bon, où est-ce qu'on va ? Retrouver de vieux amis. Disons que je ne voudrais m'engager dans aucun combat sans les avoir à mes côtés. Tue-le tant qu'il est à terre ! Ah oui, c'est vrai que les Hobbs, ils ont des sortes de costumes, ça pour certains. C'est l'époque où tu as cassé mon épée. Ah ? J'ai cassé... Ah oui. Je gagne de la thune, je gagne de la thune. Excusez-moi. Pas mal visé pour un vieil homme, non ? Il y a des cadavres de hommes partout. Ils semblent inoffensifs, mais ce sont des animaux. Ok. Déjà fini. What the fuck? Ils sont pas morts? Tire en plein dans sa tronche. Ok, il nous faut une clé. Et le chien qui aboie. Clé en argent, parfait. C'est pas le genre de clé qui doit pouvoir ouvrir la porte, j'imagine qu'il y a une clé spéciale, mais bon. C'est déjà ça une clé en argent. J'ai les vêtements tout mouillés maintenant. Pardon, excusez-moi. Ah, il y a des chauves-souris. Allez, allez. Boum! Walter est un peu à la bourre, je pense. Les chauves-souris, ça a l'air d'être un moindre mal, donc du coup on s'en fout. Presque inoffensif en fait, plutôt. Walter un petit peu à la traîne aujourd'hui, hein. J'aime beaucoup le sort. Justement, dans ce genre de cas avec les hobs ou d'autres cochonneries. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ça c'est utile.
Mais hé, tu vas me laisser taper un peu? Là, je suis en train de perdre de la vie pour rien. Il y en a d'autres en réserve. Oui, en fait, l'astuce dans ce jeu, c'est qu'en fait, tes alliés ne tapent pas. Ils font semblant, et puis en fait, t'es obligé de tuer tous les ennemis. Recule-toi, Walter. Je vais t'arriver des conneries. Je vais te foutre du plomb dans les fesses, ça continue. Boum! Je gagne de la thune, je gagne de la thune pendant mes combats. Évidemment qu'ils vont finir par... Oh là, à moins qu'ils me finissent par m'éclater la gueule. Ils n'en deviennent pas plus beaux. Ça fallait faire retourner dans leur trou. Leur tirer dessus à distance est une bonne idée. Ça t'évite de supporter leur odeur. Se faire grincer la tête. Attention, la tête, pardon. Oula. Excusez-moi, je reste un peu silencieux parce que bon. Il y a du combat, voilà, c'est cool. Continue à tirer comme ça et on en sera vite débarrassé. Mais arrêtez de faire des roulades, voyons. Si je peux faire des roulades. Et voilà, et je te bute quand même. Et là, t'es au sol et je t'écrabouille la tête. Et puis c'est tout. En voilà un qui nous embête. Et là, juste pour le fun, je vais faire exploser les... Non. Bah si, voilà, quand même. Et là, un trésor. Mais oui, merci chien. J'avais absolument pas vu, il était en plein milieu de la route, mais c'est pas grave. Et encore une émeraude. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? À l'endroit où creuser, alors ça, je peux pas me débrouiller sans toi. Quoi qu'on les sent un peu les endroits où il faut creuser. On pourrait presque dire, ah je pense que c'est là, quand il nous le dit. Je regarde un petit peu en avance, hein, parce que j'ai envie de tirer un petit peu au fusil. Pas alors. On a plus d'action hein, vu ce qu'on a eu avant. Ok. Bon bah d'accord. On va continuer tranquille. Ah. Le petit cafard nous bloque le chemin. Il va falloir se retrouver derrière lui. Dans une grotte comme celle-ci, il doit y avoir un autre moyen de s'y rendre. Peut-être le chemin qui est à côté. Derrière ta super magie, hein? Ouais, c'est bien à toi que je parle. Oh, un truc à ramasser. Parfait. La thune. Ah non, une potion de ralentissement, c'est pas mal ça aussi. Petit chien qui vient dans l'eau avec moi. Prendre un petit bain. C'est vrai qu'en même temps, depuis le temps, il était plus très propre. Hein. Petit tas de fumier. Oh, 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 lui va se fracasser la tête. Oh, dans le manche. Parfait. Enfin, le manche dans la tête plutôt.
je perturbe ta concentration. Oh, tiens, je savais pas qu'il y avait des finishes avec les armes à distance. Alors oui, il faut se débarrasser du blanc là, enfin du grand, avant de se débarrasser des squelettes parce qu'il est vraiment très très dangereux. Je me lasse pas de ce spectacle. Ils sont assez malins pour utiliser de la magie, mais pas pour porter leurs pantalons dans le bon sens. Va savoir pourquoi. LOL, j'adore cette réplique. Je pense qu'il y a un truc ici. Non, il y a rien. Sérieusement, il faut un coin de grotte comme ça où il y a rien. Ah, une arène. Alors ça, ça c'est vraiment inattendu. Il a dû y avoir une ville entière ici à une époque. Tu ne penses pas que les hobbes l'ont construite, hein? Non, pas avec leurs doigts boudinés. Il doit sûrement y avoir un moyen de sortir d'ici. Tu as remarqué. Comme tout est calme ici. Presque comme si... Enfin, si j'appréciais les tranches de cake. Y'a un nain. Voilà. Comme si ceci allait se produire. Tout à fait. Je te dis vos chaussures. Je prends de chez vous. Et ensuite, j'irai voir votre mère. Oh, regarde, on a même un public. Hé, personne ne m'enferme dans une maudite grotte. C'était une grosse erreur. Allez. Prends ça, stupide créature. C'est chiant. Est-ce que j'ai dégommé le nain ou pas? Je sais pas. Non. Visiblement non. Que penses-tu de ce blocage fermé? Oh, il est au paradis des hommes. L'hiver est ma saison préférée, j'adore. Voilà. Voilà, parfait. Tout à fait, bien sûr. Oh, oh, carbouille. Ah non, d'accord, ok, je joue au baseball en fait. Et ben voilà, c'était le dernier. Et j'ai gagné beaucoup d'expérience, là, j'ai l'impression. Enfin, de saut de guilde, pardon. Ah, carrément. On me force à y aller, quoi. Pardon. C'est absolument terrible. Je suis encore un petit peu malade. Tu as brillamment passé un test capital. De quoi ? Un bon leader doit toujours être capable de prendre de nouveaux chemins et d'affronter et déjouer l'impossible. La nouvelle de votre combat victorieux contre ces créatures va faire grand bruit. Ouais, si on veut. Hein. Voilà, ouais, je dépense tous mes sauts de guilde parce que voilà, comme ça,
C'est fait. Au moins, on aura fait toute cette section de... On aura fait toute cette section de la route. Du coup, faut que j'aille à la partie suivante ou... Ça se passe comment, là? Ah oui, c'est ça. Partie suivante, voyons voir ce qu'on a. Le pack colorant 3... Ah ok, il faut... En fait, j'ai pas encore de quoi acheter les boutiques. Des nouveaux sorts, des combinaisons de sorts, ok. C'est intéressant. Est-ce que c'est... Ouais, c'est 5, ok. Je gagne encore de la thune, je gagne encore de la thune. Excusez-moi, mais c'est vraiment... c'est énorme. Sauf que là, je sais plus à combien j'en suis, j'ai pas fait gaffe, mais... Et honnêtement, ça fait du bien, quoi. Vous voyez, la thune qui rentre toute seule, comme ça. Plus besoin d'aller faire la manche là en jour de lutte. Je pense pas que tu puisses t'en sortir cette fois. Mais je fais moi-même un peu de magie. C'est vrai? Observe et prends-en la graine. Bouh! LOL! Crise cardiaque! Oh. Ça a marché? Bien, sortons d'ici, d'accord? Crise cardiaque, énorme. Énorme. Gigantesque, je dirais même. C'est là, en fait, on se rend compte, mais le personnage de Walter, il est tellement... Enfin, il est tellement agréable à regarder, en fait. Enfin, c'est vraiment un des personnages qui donne un peu la profondeur à ce jeu, parce que franchement, il a ce côté comique, mais en même temps... Enfin, super sympa, quoi. Mais, c'est quelqu'un qui est quand même là pour nous filer un coup de main. C'est un peu ta voix off dans les jeux, etc. Le mec qui va t'aider, te donner des indices et tout. Enfin, qui va toujours être avec toi. Donc, t'es là, ouais, ok, pas de problème. Alors, la clé, je pense que c'est celle qui ouvre l'autre porte. Mais honnêtement, on va pas retourner en arrière parce que là, ça sert à rien. J'irai une autre fois quand on aura le temps, plus vers la fin du jeu je pense, on ira voir ce qu'il y a dans la zone. Oui. Ah, ok. Mais voilà. Oh, il est content le Cheshire, il a trouvé une améthyste, pas mal, parce qu'en plus ça vaut de la thune. Morningwood. Et c'est là où les ennuis commencent. Non, je déconne, quand même pas. Alors, est-ce qu'on continue ou pas? Bah, malheureusement, on va s'arrêter ici. On a fait toute la partie des souterrains de Mistpeak, enfin du funiculaire, qui est assez intéressante, hein, mais je vous avoue que c'est quand même... là, on va attaquer une des parties les plus difficile à peu près, enfin bon, une partie chiante, bien chiante, vous allez vite voir pourquoi. Donc ben moi j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et tout, ben je vous dis à la prochaine, salut à tous, et d'ici là, portez-vous bien, pardon, à la prochaine.